Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesses. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco monté dans cette usine. Question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriquée en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite.